Alors c'est comme ça que ça s'est passé hier soir. Je sais pas ce qui me déçoit le plus, Tess ou toute cette merde. Truquer une course, c'est n'importe quoi. C'est nul, mais c'est pas fini cette histoire. S'ils ont fait ça, ça veut dire qu'ils ont peur de toi. Appel à toutes les unités. Nous allons augmenter le nombre de véhicules sur le terrain aujourd'hui. Bonne chasse, les gars. Salut, ça va? Tu tiens le coup? Ça va. Tu l'as dit, je suis dans le coup. On va bien trouver un moyen de se payer le billet d'entrée pour le Ground. Avec ou sans Tess. T'as raison. J'ai repensé à Jasmine. Alec est sans doute pas le genre de type qui aime perdre du fric. Tu crois qu'elle va lui rester fidèle ou tu penses qu'elle va tout faire foirer? Honnêtement, aucune idée. Tout est allé si vite, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'éclaircir les idées. Ouais, pareil. Je te le dis si j'entends un truc. Merci. À plus tard au garage.
ça ira. Ici l'unité de patrouille, on engage la poursuite. Ça me sait aussi.
cible. Notre suspect vient de nous filer entre les doigts à Belmont Lake. Contrôle, notre suspect a mis les voiles. Salut. Jas? Écoute, les flics rigolent pas. Ils ont vraiment décidé de faire le maximum pour empêcher le grain de se tenir. On n'est pas sortis de l'auberge. Ouais, c'est ce que je commençais à me dire aussi. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Peut-être que je veux t'éviter la tôle, histoire de t'affronter sur la piste. A plus. C'est quoi le problème d'Alec? Jas, tu m'entends?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Où est Rydell? Il est pas là. J'ai parlé à Alec pour voir si Tess disait vrai. Et ouais, il veut truquer la course. Elle avait raison. Et tu lui as dit quoi? J'ai dit que c'était mort. Et ça lui a pas plu. J'ai pensé qu'il allait débarquer ici et je suis venue pour protéger Rydell. Ouais, merci. De toute façon, il s'en fout de moi. Il profite de moi depuis le début. Je compatis. Écoute, ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'y suis pour rien. À l'époque, j'ai juste dit à Alec où je bossais. Et après... Si c'est vrai, pourquoi t'es parti avec notre caisse? T'as eu 2 ans pour revenir. Et alors, vous m'auriez accueilli à bras ouverts? T'as entendu Rydell ce soir-là? Il m'a prise sous son aile quand personne d'autre voulait le faire. De toute façon, j'y crois pas vraiment aux secondes chances. Et maintenant? Tu vas faire quoi pour Alec et ses magouilles? Je vais le frapper là où ça fait mal. Et vider son inventaire. Ça t'intéresse? Ouais, possible. On se rappelle? Mais je veux toujours ma bagnole! Cool. Tu sais... Elle me manque. T'inquiète. Chers auditeurs, si vous rejoignez maintenant des nouvelles du Lake sur KRSFM, sachez que Madame le maire a demandé à tous les citoyens de rester chez eux ce soir afin d'aider la police à lutter contre les courses clandestines. Profitez-en pour passer une bonne soirée sur KRSFM. On se retrouve tout de suite pour écouter de bons vieux tubes de 2003. Bon, écoute, je vais dire ce que j'ai à dire, d'accord? Après le cambriolage, j'ai voulu t'appeler, tu sais. Pourquoi tu l'as pas fait? J'étais encore en colère à cause de ce qu'avait dit Rydell. À propos de toi? Ouais, et merci pour le soutien. Je lui ai dit que t'avais passé la nuit avec moi. Ah, c'était pas suffisant. Attends, c'est de ma faute, peut-être? Toi, il t'écoute! T'as toujours été dans ses petits papiers. On est des écoliers ou quoi, là? T'aurais pu faire n'importe quoi, il était prêt à tout te pardonner. C'est pas vrai, Jas. Ah ouais? À chaque fois que je m'engueulais avec lui, tu bronchais pas. Pour m'en prendre plein la tronche, moi aussi? Je suis pas dingue. Pour une fois dans ma vie, j'avais besoin qu'on me soutienne. Ouais. Je comprends. Je m'excuse. J'aurais dû être là pour toi. Allez, à plus. Notre suspect met ma vie en danger, j'ai besoin d'aide. Notre suspect conduit une Mercedes. Ici le central. Notre suspect a été repéré à Sebastian Resort. Ici l'unité tout terrain. On arrive. Merde! Cette pourriture vient de nous percuter! On va lui montrer qu'on rigole pas avec la police de Lakeshore. Cette fois, c'était la blague.
Nous avons perdu la trace de notre suspect près de Sebastian Resort. La cible est dans le coin, c'est obligé. Cherchons. Contrôle, notre suspect a mis les voiles. Pour récupérer des gants. Personne ne double Chase. Quand tu commences un truc, faut le terminer. T'as quelque chose à me dire? Ce serait sympa de pouvoir faire une course sans que les flics débarquent. On se met des suspects! Pas mal! C'est l'unité de patrouille. À nous deux! On prend les choses en main. J'aime pas perdre de l'argent. Ici l'unité tout terrain, on abandonne la poursuite. Allez, on lui règle son compte et on va boire. Tu crois que tu vas rester devant jusqu'au bout? Ne lâchez pas notre suspect! Comment ça va? Bien, bien. Et toi? Je suis toujours à cran après la discussion. Oui, moi aussi. Écoute, quand je t'ai dit que je voulais te venger, j'étais sérieuse. Alec a volé trop de trucs dans cette ville. Mais ces gens sont prêts à payer pour récupérer ce qui leur appartient. Mais récupérer quoi? Pose pas de questions, profite de l'aubaine. J'ai déjà quelqu'un sur le coup. Je sais où est la voiture. Tout ce que t'as à faire, c'est de la rapporter. Jas, je suis pas Robin des Bois. Ce serait trop facile. Si tu conduis aussi bien que tu le dis, tout ira bien. T'as la mémoire courte ou quoi? Je te signale que je t'aurais mis une raclée si Tess m'avait pas planté un poignard dans le dos. Ça, c'est ce que tu crois.
Je te rappelle pour te dire où trouver la bagnole. À plus tard, Petit Jean. Petit Jean, c'est un joueur de foot, ça? Alors, on va libérer des voitures? Ok, c'est parti. Parfait, je t'envoie l'adresse. Rappelle-moi quand t'auras la bagnole. Appel à toutes les unités, arrêtez cette vermine tout de suite! Notre suspect est au volant d'une Mercedes. Balayez le secteur, il faut l'arrêter! Vous savez quoi? J'en ai marre. Je vais l'arrêter tout de suite. Merde! Comment ça a pu arriver? Votre suspect a disparu près de Saint Lambray. Notre suspect ne doit pas s'échapper. C'est fini pour nous. La prochaine fois, j'appelle des renforts. Ok, Jas, j'ai la caisse. Je t'appelle en arrivant au point de livraison. Compris. Si l'unité tout terrain, on vient donner un coup de main. Si l'unité tout terrain, on va finir le boulot. Air, droit devant. On devrait ralentir notre suspect. Notre suspect conduit n'importe comment. On peut pas suivre. Merde. Je crois qu'on tiendra plus très longtemps. La cible se sent pousser des ailes. On a besoin de renfort avec Virgile. Fouillez bien, notre suspect ne doit pas s'échapper. C'est fini pour nous. La prochaine fois, j'appelle des renforts.
Yo, j'ai eu un coup de fil du client. Il est ravi d'avoir récupéré sa voiture en parfait état. Ok, tant mieux. Mais il y a un truc qui cloche. De quoi tu parles ? J'ai déjà récupéré cette voiture pour Tess. Elle m'a dit que c'était pour un type qui voulait la tester. Et tu l'as cru ? Non, enfin, le job payait bien, alors j'ai pas posé trop de questions. Tu penses qu'elle bossait pour Alec ? J'espère que non. Je vais me renseigner. En tout cas, bon boulot. À plus. La vitesse supérieure. Notre suspect est au volant d'une Mercedes. Ici le central, notre suspect a été aperçu. On se fait avoir par une seule personne. J'ai notre suspect en vue. Je me rapproche. Central, on est hors circuit. Je vois plus la cible. Notre suspect vient de nous filer entre les doigts. Balayez le secteur, il faut l'arrêter. On engage la poursuite avec les véhicules du suspect. Ici, l'unité banalisée. C'est foutu pour nous. Que d'un passé.
réception, on prend votre suspect en chasse. Tu crois que tu vas rester devant jusqu'au bout ? Ici l'unité banalisée, on arrive. Ça avait l'air chaud la nuit dernière. Je sais que tu vas devoir reprendre le volant, te tailler une place au soleil. Mais oublie pas qu'on est une équipe, toi et moi. Tu sais bien qu'ici, il y a toujours des côtelettes et une bière qui t'attendent au frigo. Son téléphone pour me dire de méfier des flics. Après 2 ans, ça m'a fait tout drôle. C'est elle qui a appelé ? À quoi elle joue ? Avec Jazz ? Tout est possible. Je croyais bien la connaître, Ryder. Écoute-moi, sois pas si dur avec toi-même. Quelle est la valeur d'une vie sans confiance ? Hein ? Une vie sans filet de sécurité ? Une vie sans espoir ? C'est tiré d'un livre, ça ?
jouer à ça? Au prochain virage, je te dépasse. La prochaine. Thank you.
Les flics sont là. Je prends les suspects en chasse. Tu peux pas, c'est que tu as du talent. Ici limite de patrouille. On engage la poursuite. Ça ne m'enchante pas. Belle performance. Tu vas prendre mon argent, mais bravo à toi. Bienvenue dans Des Nouvelles du Lake sur KRSFM, la radio numéro 1 de Lakeshore. La police de la ville a arrêté plusieurs suspects suite à la course clandestine organisée la nuit dernière et semble avoir trouvé des preuves qui suggèrent qu'un événement de grande ampleur est prévu dans quelques jours. Oh merde. Par mesure de précaution, j'ai autorisé la police de Lakeshore à utiliser toutes les méthodes à sa disposition pour assurer la sécurité des citoyens. La sécurité, mon cul ? Fais gaffe, là. Salut, j'ai un job pour toi, mais je parie que tu vas me dire que tu l'as déjà fait pour Tess. Vas-y, je t'écoute. Une Testarossa. Ouais, ça se pourrait. Je t'envoie l'adresse. Salut, Rydell. Ça va ? Je repensais à la nuit où elle est partie. C'est pas de ta faute, Rydell. Je sais. Je suis pas responsable de ses actes. Mais je suis responsable des miens. Il est peut-être pas trop tard. C'est vrai. Tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a fait ensemble, c'était du concret. On peut encore tout reconstruire. Repartir sur de bonnes bases. C'est profond tout ça, qu'est-ce qui t'arrive ? Peut-être que j'ai lu le même livre que toi. Merci d'avoir appelé.
Holden sait ce qui est important. Holden me comprend. Je suis à fond derrière Holden. Holden comprend les jeunes de Lakeshore. Il veut leur offrir des coins cool pour traîner. Des skateparks, des cafés, des parcs, des passages souterrains. Pas vrai? Oh, et comment que c'est vrai? Votez Holden Parker 3. Parce qu'il sera toujours là pour vous. Et si tu veux faire plaisir aux jeunes, oublie pas les marchands de glace et les distributeurs de soda. Ce serait pas notre suspect là-bas? Ok, c'est bon, Jas. Je te rappelle dès que j'ai déposé la voiture. Détendez-vous, il était lourd d'information. Ici l'unité banalisée, on va faire ça vite et bien. Ici l'unité lourde, on est prêt à s'appuyer. Contrôle, on se fait secouer. Centrale, ici l'unité d'interception, à nous de jouer. La R s'est déployée. Je devrais l'arrêter. Tu crois qu'on va me ralentir? Ici, l'unité d'interception. On va se la faire, cette racaille. Centrale, on n'a plus beaucoup d'essence. Notre suspect est arrivé à Dupont de Rio. Eh merde. On ira pas plus loin. Notre suspect vient de nous filer entre les doigts. Trouvez-moi cette raclure! La course poursuite est relancée. Attention, notre suspect arrive à Jefferson Hills. Je reprends la poursuite. On n'arrivera pas à suivre. À toutes les unités, notre suspect vient d'arriver à Dupont de Rio.
Salut, j'ai eu le client. Il était trop content de récupérer sa voiture en aussi bon état. C'est pas tous les jours qu'on libère une Ferrari Testarossa. Je suis curieuse de savoir ce que Pinkst avait sorti comme bobard. Une histoire de friqué qui voulait compléter sa collection de voitures de jeux d'arcade. Non, sérieux ? Je sais. Faut que j'arrête d'être aussi crédule. Non, mais en fait, c'était vrai. Quoi ? Je t'assure, c'était un job pour Alec, pour sa collection personnelle. Je me sens vraiment débile d'un coup. C'est normal, t'es débile. À plus, Jazz. Hé, ça te dirait de faire sortir une autre voiture de la collection d'Alec ? Ouais, j'ai rien de mieux à faire pour le moment. Ok, je t'envoie l'adresse. C'est encore une voiture que j'ai récupérée pour Tess. Elle t'a caché pas mal de choses, on dirait. Je vais essayer de me renseigner. L'unité d'analyser doit s'arrêter là. Ici, l'unité d'analyser. Derrière vous, côté de la porte. Ici, l'unité d'analyser. On arrive. Je peux l'obliger à ralentir en glissant par l'arrière. La cible va nous échapper. Barrage droit devant, ça devrait l'arrêter. Quoi ? C'est pas vrai ? Centrale, la cible s'enfuit. Notre suspect nous a sonné. Fouillez la zone et trouvez-moi cette enflure. Salut, je t'appelle pour te dire que le client est très content. T'as bien bossé. Deux fois la même bagnole, j'arrive pas à y croire. Finalement, c'était pas un coup de pub pour un film.
Si, c'était pour un film. Mais c'était pas de la pub. Le tournage est arrêté depuis que la voiture a disparu. Merde alors. Apparemment, Alec est un puriste. Il déteste les reboots. C'est un mec bien, en fait. En tout cas, le tournage va bientôt pouvoir reprendre. Oh, ça m'aurait fait mal de savoir que j'avais empêché le producteur de s'en mettre plein les poches. Votre suspect en chasse. Commence.
carabiner en visuel. Tu sais quoi? Je viens de réaliser un truc. Je branche encore mes outils dans la prise du bas. Ça date de l'époque où le téléphone de Jasmine était toujours en charge sur la prise du haut. Marrant. Hey, salut. T'as le temps de caser un petit job? Au revoir. Jazz t'a rappelé? Ouais, hier soir. Et alors? On verra. On a peut-être un plan, mais rien de sûr encore. Un plan? T'inquiète pas, on sait ce qu'on fait. Fais surtout pas ce que... Rydell, fais-nous confiance, ok? Je sais que c'est pas facile, mais c'est mieux pour tout le monde. D'accord, d'accord, je sais. Vous êtes plus des gosses. On n'a jamais été des gosses, patron. Non, c'est juste que parfois j'ai l'impression de plus être dans le coup, tu comprends? C'est ma faute. Écoute, sans toi, je serais pas là. Tout ce que t'as fait, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je devrais peut-être te le dire plus souvent. Ok, j'ai compris. À plus tard. Termine dans le viseur.
Livraison terminée, patron. Formidable. Merci de me filer un coup de main pour le garage, ça compte beaucoup pour moi. Bah, c'est pas vraiment du boulot, c'est pour la famille. Jure. Vraiment fier de toi, tu sais. Je te l'ai déjà dit, ça. Non, jamais. Pas une seule fois. Je m'en souviendrai. Ce soir, c'est moi qui régale. Eh, salut. Dis, vient de se passer un truc bizarre. Ne me dis pas que l'opossum est de retour et qu'il a ramené tous ses potes avec lui. J'ai reçu un appel anonyme. Du genre, rendez-vous sur le parking à minuit et venez seul. Ouais, la routine, quoi. Non, plutôt du genre, venez seul récupérer votre voiture dans un terrain vague. Quelle voiture ? La Chevrolet Bel Air qui a été volée. La nuit où Jazz est parti ? Ouais. Tu veux bien aller voir ? Ça chauffe ! La mère vient de virer toute son équipe de campagne. Vu les nouvelles pubs ridicules et complètement déconnectées de la réalité pondues par les remplaçants, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Ce podcast est sponsorisé par Dreams. Vous avez besoin d'un nouveau matelas? Dreams, avec un Z, vous livre le meilleur matelas au monde directement dans votre boîte aux lettres. Merde, c'est vraiment un coup bas cette pub. Thank you.
protéger la Bel Air. Elle est à nous, c'est sûr. Qui t'a appelé ? J'en sais rien, on m'a juste dit que c'était de la part d'un ami qui voulait arranger les choses. C'est forcément Jas. On se voit au garage. On doit s'arrêter, la voiture est foutue. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite.
nous sommes réunis pour l'ultime débat entre Madame le maire Stevenson et Holden Parker III. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, Daniel. Et bienvenue à vous. Merci. Madame Stevenson, suite au renforcement de la présence policière ces dernières semaines, souhaitez-vous adresser un message aux habitants de Lakeshore ? Ne vous inquiétez pas, cette mesure n'est que temporaire. Très prochainement, vous retrouverez la ville apaisée de Lakeshore que nous aimons tant. Monsieur Parker III, une réaction ? Oui. Oui, quoi ? Quelle est la question ? La question de qui ? Eh bien, si vous ne le savez pas, comment voulez-vous que je réponde ? Que pensez-vous de la présence policière renforcée dans les rues de la ville, monsieur ? J'ai dit ça, moi. Non, c'était votre adversaire. Non, c'était vous. Vous vous emmêlez les pinceaux, Steve. Jazz, quoi de neuf ? Je viens de découvrir que Tess fait tout son possible pour qu'on perde au Lakeshore Grand. Ma victoire n'en sera que plus belle. Ma victoire, tu veux dire ? Tu m'as très bien entendu. Tu peux toujours y croire, c'est beau de rêver. Alors, qu'est-ce qu'elle mijote ? Je sais pas encore. J'attends des infos. Des infos ? Tu te prends pour James Bond ou quoi ? Je te rappellerai, d'accord ? Tu veux pas plutôt m'envoyer un pigeon voyageur ? Thank you.
engage la poursuite. C'est pas pour vous, les amis, mais ça commence à chauffer. Stevenson devrait peut-être revoir ses priorités parce que Holton vient tout juste de gagner 2 points dans les sondages. Je l'ai interrogé sur ses projets, en cas, je dis bien, en cas de victoire. Bienvenue, Holton. Vous avez mentionné les ennemis de Lakeshore dans vos clips de campagne. Qui sont ces ennemis, au juste? Tiens le bon bout, c'est la dernière ligne droite. Enfin, si tu négocies bien tes virages. Je dis des conneries. Je suis à cran.